Quand je tue ma victime, on me donne et le goût et le cœur pour manger. La deuxième victime, il est dans ma... C'est la maman de M. Simeon qui m'a amené chez mon oncle Samuel Milan. C'est là-bas que je résidais donc. Bon, Simeon, il est dans mes esprits. Non, Simeon, Il se trouve que Mme Milan était déjà sous la menace de la tante de Simeon et il n'arrivait pas, plus les Ziba, il n'arrivait pas à la terrasser, à la tuer en fait. Quand je suis arrivé le premier jour, moi j'avais l'habitude et j'aimais me laver toutes les nuits, quand il fait vraiment nuit. Je me suis donc lavé et j'étais dans la chambre pour m'habiller quand les deux personnes sont arrivées. Ah, ça c'est bien, bonne arrivée. C'est grâce à toi qu'on pourra la voir maintenant. Je vous ai bien dit, à partir d'une information, donc on envoie une émissaire dans votre maison et à partir de cette personne, on a accès à vos vies. Il faut savoir qui tu es. Ça c'est important. Les gens qui ont bien connu, moi je vais après les vies, mais je vais à 4 ans. Quand ils m'ont dit cela, c'est ma tante mamie, les tantes mamie Suzanne qui m'a dit. Tu vas nous aider à l'éliminer parce que depuis nous avons essayé plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi. Mais comme tu es là maintenant, tu vas nous aider. Mon oncle Ziba a dit, si tu réussis la mission, puisque nous on a fait plusieurs tentatives qu'on n'a pas réussi, si toi tu réussis cette mission, nous allons te lever. Je n'ai pas accepté dans un premier temps. Ils m'ont bien frappé. Surtout mon nom de Ziba, il m'a bien frappé. Oh, Ziada Sena. Ah, il ne s'est pas amusé avec moi. Quand ils m'ont tabassé, le lendemain matin, je me suis retrouvé avec des enflures dans le visage. Quand ma tante m'a demandé le lendemain, qu'est-ce que tu as au visage? J'ai dit non, c'est un chien. Une deuxième fois, ils sont revenus à la charge. Ils m'ont bien tabassé encore. Une troisième fois, ça a été le même cas. C'est la quatrième fois que j'ai cédé parce que j'étais tabassé véritablement. Elle était malade, il était question qu'on l'opère. Donc, c'est l'occasion saisie. Déjà, il a eu deux coups. L'affaire avait déjà déclenché. Et donc, on m'avait ramené ici au village. Donc, tu étais en mission là-bas, tu n'as pas réussi à accomplir la mission. Maintenant que tu es venu chez nous ici, on t'envoie toujours en mission. Mais cette fois-ci, si tu ne réussis pas la mission, sache que c'est sur toi qu'il parle maintenant. Le pot de Damoclès. C'est là que j'ai accepté. Ils ont fait l'opération, tout s'est bien passé. Et donc, c'est sur son lit d'hôpital que j'ai pris mon lacet, ma corde. Il est donc étranglé. Et puis, sa tante, à elle, a piqué le couteau dans son cœur. On m'a donné encore le goût et le cœur. Et puis, j'ai mangé.
La troisième victime. On dit de donner ma maman. Je n'ai pas accepté. J'ai fait en sorte de la gâter pour qu'elle ne se marie jamais. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, un seul enfant, c'est le divorce. J'ai pris le déchet. Je ne veux pas être toxique, j'ai des sorciers pour la badigeonner. Son excrément. Des excréments pour la badigeonner. La quatrième victime, c'est mon grand frère Hippolyte. Il est dans la Hippo, il est mis en place Caro. Donc, Caro a poussé dans ses onda cocado. C'est-à-dire, on y a fait l'autre petit coup. Donc, il faut, pour lui, il était question que, en tant que grand Carolin, son métier l'amène jusqu'en Europe. Donc, quoi qu'à demander, il est dans la main. Pas quoi qu'à demander. Comme dans notre confrérie, nous, on ne fait que tuer les grandes personnes. On le poussait à réussir pour devenir une grande personne. Comme ça, on allait s'occuper de lui. Sa mère est là. Papa, tonton, sa mère est là. Non, elle, sa mère. Ah. Et non, vous restez là. Elle est là ici, ce soir-là. Et non, on peut mesica au carnet pour y. Elle est où? Non, elle est bon, non, y. Elle a le. Non, 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 je vais pas l'appeler. On le voit, on y est prêt. Mon compte est à l'offre. Je suis allé gâter tout ce dossier. Qui? Carole. Là, comment il s'appelle? Mon grand frère. Le gars, qu'il est là? Je suis allé là. Hippolyte. Hippolyte. Est-ce que Hippolyte est là? Il a bien. Allons-y. J'ai gâté son dossier. Mon non. La cinquième victime. Alain. C'est mon grand frère Alain. Le colombe là. Il était élève. Oh Dieu, bah. On est là. Il était studieux en classe. Il est dans la notion cocarde. Il était question de le pousser pour qu'il réussisse ses études. C'est à votre. Et puis après, on allait finir avec lui. Je suis donc allé en mission à Abidjan pour prier son esprit, étant celle qu'il était devenu comme un vagabond, il n'allait plus à l'école, et ça a énervé son nom, il a rapatrié au village. Mais qui est noir? Elle dit que c'est la fin du son. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il y en a un mon il va battre là. Je désire qu'on me laisse le mauvais esprit. Tu es sûr? Il t'a dit que tu as pu retourner. La cœur est cabinet. Touche ta tête, touche ta tête. Le mouvement va travailler dans le esprit de la sorcellerie. Esprit méchant de la sorcellerie. Je te chasse de ce corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Va. Et quitte ce corps. Lâche-la. Maintenant même. Quitte son corps. Quitte son corps. Déçu. Tu m'attends? C'est un ordre. Libère ce corps de maintenant au nom de Jésus. Lâche-la. Va.
Quitte.
quitte le corps, quitte son corps, quitte son corps. Quitte son corps, allez! Quel est ton nom, toi qui habites le corps? C'est Allah, Allah, mon pouvoir pour qu'on aime. Quel est ton nom, toi qui habites son corps? C'est Allah, Allah. Donc, moi, il faut qu'on aime. Lâche-la, je m'attends. Lâche-la. Va-t'en. Et maintenant même. Voilà, quitte. Tu es là dans son ventre. Allez, quitte. Quitte son ventre. Allez, va-t'en. Va. Va-t'en. Va. Au nom de Jésus. Lâche-la. Vous voyez, c'est le démon qui se manifeste comme ça. Dieu vraiment nos esprits là, et qui fait qu'elle mange la chair humaine. Voilà. C'est vrai qu'elle a parlé, mais il faut que le démon parte. Il est en train de partir. Va. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Allez. 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 Va. 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 Allez. 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 Tout le micro dans sa bouche. Donc tu risques d'enfoncer le micro dans sa bouche. Je te dis d'enlever le micro. Il a dit. Lâche-la. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Parce que je ne suis pas demandé de faire parler le sorcier. Mais il faut être en mesure de chasser le démon de la sorcellerie. Il est là-bas. Va-t'en. Au nom de Jésus. Allez. Allez. Voilà. Va-t'en. Levez. 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 Levez. Va-t'en. 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 Levez. Au nom de Jésus. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va. 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 Levez. Au nom de Jésus. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Va-t'en. Levez. Au nom de Jésus. Levez. Allez. Dégage. Sors. Levez. Sors. Dégage. Allez. La fille de pardon est sortie. C'est fini. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle a vu? Il est là. J'ai vu un homme. Une petite fille qui est sortie. Quand j'ai parlé depuis l'autre jour, c'est la personne que je n'avais pas désignée. Elle est sortie. Oui. Une petite fille est sortie. Ok, lève-toi. Il y a de lui? Un cadouillé. Ok, va s'occuper de toi après. Viens. Qu'est-ce que tu n'avais pas dit après la dernière fois? Il y a bien. Tu es sorcier? Merci. Tu es sorcier? Tu es dans la sorcellerie. Elle dit
ne pas t'approcher. C'est mon grand-père qui m'a initié. Les